Vous avez cru que j'ai oublié les coffres? Y en a d'autres des coffres ou pas? Je crois que c'est le seul, hein. Ok. Stylé! Ah! Non, c'était celui-là. Attendez. C'est bon, c'est bon, c'est bien ça. Des bisous, Rincevent. Bonne soirée à toi. Un seul quand tu l'éclates, d'accord. Oh putain, le carnage. Donc, non, c'était pas un navire d'adepte, par contre. Je sais pas ce que c'était, mais c'était chaud. Et effectivement, j'ai eu sa voile, par contre. J'ai bel et bien eu sa voile. Franchement, les batailles navales, pas mal. Je les aime de plus en plus, hein. Je les aime vraiment de plus en plus. Navire. C'est quoi que j'ai eu? Venin de l'hydre. Les travaux d'Héraclès sont célébrés dans tout le monde grec, mais aucun de ses adversaires n'est difficile que l'hydre multiple tête. Allez, vendu, stylé. C'était un navire légendaire, d'accord, bah c'était très classe. C'était surtout très très classe. C'est quoi cet arc là? Ah putain merde, dégâts de chasseur. Oh, les dégâts de guerrier étaient sublimes. Ok. Ok. Je pense que j'ai mérité de sauvegarder. Ah, je me suis crispé sur ma manette, vous avez pas idée. Je me suis crispé comme un connard sur la manette, mais genre vénère. Hein. J'étais un peu stressé là. J'étais un peu beaucoup stressé. Bon. Reprenons la route. Un homme volant. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. T'as un matelot volant. Bon, ah, écoutez, il est chaud, on a Superman avec nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, attendez, en parlant de ça, membre du culte, il y en a un, je le sais, il est où? Attendez, c'est lequel? Ah, c'est ça, Messara. Lui, il faudrait que j'aille en Messara pour m'occuper de lui. Non, ça, c'est la Boétie, c'est plus tard. Voilà, c'est lui. C'est quoi les îles d'Obsidienne, par contre? Attendez. Nous-mêmes, mais par contre, Mélos demain. Alors, Mélos, c'est quoi Mélos? Tassos, Macédoine, Lemnos, Kos. Tira, Mélos, c'est ça les îles d'obsidienne? Ah oui, îles d'obsidienne. D'accord. Ok, j'ai ma prochaine destination, chers amis. J'ai ma prochaine destination. Pour aller défoncer pour aller défoncer un des membres du culte. Il est quelle heure? 20h20, qu'est-ce qu'on pourrait finir de stylé ce soir? En vrai, là, je suis niveau 40. Aujourd'hui, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est d'aller tuer le mec 43 à l'arène. Vous en pensez avec quoi? En étant niveau 40, hein. Ça sera un beau challenge, je pense. Augmenter l'allure. Globalement, ça serait, je pense, un plutôt beau challenge. De faire de l'arène, le mec 43 de l'arène, et de le faire niveau 40. Parce que j'y suis à niveau 33, je me suis fait éclatax version hardcore du Nord. Hein. 10 levels, ça piquait un peu. Non, j'étais 34. 10 levels, ça piquait un peu. Avec du stuff 40, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça va y avoir du challenge, mais ça peut être stylé. Ça peut être pas mal. Après, l'arène, je me dis, j'ai envie d'attendre, mais j'aime bien un peu les challenges, tu vois. Alors, on va aller voir la belle Daphné. Sortez-moi ces rames! On va aller voir la belle Daphné. Ça a l'air magnifique cette île encore. Mais en fait, chacune des îles est plus belle l'une que l'autre. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Tout est superbe. Putain d'enfer ce jeu. Regardez-moi ça en mode automne. Le challenge, ce serait Stéropès. Ah, il est 45 après. Alors ça je le ferai, mais là je vais pas vous mentir, je suis un connard putaclic. Pour un défi sub, on peut tenter Stéropès. Après j'avoue que j'ai très envie de le faire le quasi au même level que lui, parce que j'ai pas envie de le perdre trop tôt, tu vois. Il y en a beaucoup des trucs comme Stéropès ou pas? Parce que là j'en ai deux que débloquer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que j'en ai que deux que débloquer des mecs comme lui. Hein. Le challenge, je suis vire le critique. Mais alors ça, alors pour le coup, ça Phoenix, on n'a pas du tout la même vision. Au contraire, ce que j'aime beaucoup, c'est affronter les choses difficiles avec un stuff que j'ai moi-même optimisé. Le cyclope. J'en ai déjà tué un. Hein. C'est qui ça déjà? C'est un autre cyclope. J'ai déjà tué un cyclope à Fritex au cas où. J'ai buté le cyclope après la quête de Déméocle. Déméocle. Déméocle, je sais pas comment il s'appelle. Endémocle. Bref, un connard taré, je crois qu'il a une grosse bite et qui pensait que le cyclope c'est son grand frère. C'était Borantes, je sais plus quoi, j'ai oublié son nom déjà. Mais en tout cas, j'ai son arme. C'est l'arme légendaire que j'utilise. Et c'était giga cool. C'était vraiment un beau fight. Hein. Il m'a fallu. Enfin, je l'ai tué au troisième essai.
Ça, c'est une créature mythique. Le tueur d'animaux. Je suis contente de te voir. Daphné, je doutais que ce soit le cas. Le chemin sur lequel je t'ai envoyé grouille de danger. Tu aurais pu abandonner ou être tué. Aucun danger n'aurait pu m'empêcher de revenir te voir. Tu t'avances peut-être un peu trop. C'est pas une question de challenge, fait que dans ce cas-là, c'est que le jeu est trop fort, mais... Enfin, le... c'est juste qu'il y a des jeux trop forts, voilà. Mais... Enfin, il y a des buts trop forts. Ta peau de hyène. Je les ferai plus tard. Ce rognard couvert de puces me dégoûte. Mais il faut apprendre à voir la beauté en toutes choses. Tu as raison. Ce n'est qu'un animal qui agit selon sa nature. Comme nous le faisons tous. Toutes les peaux devraient être là. Oui. Mais ton épreuve n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as prouvé aux yeux d'Artémis tes talents à la chasse. Mais il te reste une créature à vaincre. Une proie qui n'a rien d'ordinaire. Pour ce dernier affrontement, retrouve-nous, mes sœurs et moi, sur la falaise qui surplombe notre village. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de spoil, hein. Attends, pourquoi ce secret? Parce que c'est plus amusant ainsi. Ok, ça m'intrigue un peu. Qu'est-ce qu'elle me cache? Sachant qu'on l'a baisé, j'ai déjà baisé deux fois, logiquement. Oui, mais c'est ça, mais c'est le, c'est Stérapès, ce truc. Stérapès, c'est une créature mythique. Justement, si j'ai bien compris. Là. Et je voulais savoir justement s'il y en a d'autres, tu vois. Oh, la petite chasseur, j'en bats les couilles. Hein. Attends, elle m'a fait une nouvelle quête pour le coup. Pourquoi est-ce que ça me la met pas la nouvelle quête? Je comprends pas. Quête. Ah, faut la suivre. T'es sûr? Ah oui, t'as raison. Merci, Félix. Ok, ok. Alexios, joins-toi à nous. Oui. J'ai intérêt. Me voilà. Vas-tu enfin me dire de quoi il s'agit? Mes sœurs, comme le veut notre règle, établie par Artémis elle-même, le moment de mon épreuve est venu. Oh non. Et à cette fin, je vous présente Alexios. Non. Parades, qu'est-ce que ça veut dire? Tout va bien. Tu n'as rien à craindre. Ah, assez de mystère. Je veux la vérité. À chaque génération, Artémis dépêche ses messagers dans la nature. Ces créatures indiquent à ses filles la présence d'un ou d'une prétendante. D'une personne digne de les diriger. Diriger? Qu'est-ce que tu veux dire? Triomphe de moi en combat mortel et revêt l'attribut de supérieur des filles d'Artémis. Refuse. Et tu ne seras rien pour nous, comme tu l'étais auparavant. Tu veux... Oui. Tue-moi, et les filles d'Artémis seront tes alliées. Les dieux nous ont réunis en vue de cet instant. Quelle que soit ta décision, tu ne peux revenir en arrière. Daphnae, je ne peux pas te tuer. Je nous croyais devenus... amis. Telle est notre règle. Ce n'est pas moi qui la dicte. Je suis la volonté de la déesse. Je chéris notre amitié. Mais Artémis et les traditions... Je maudis les traditions. Je ne prendrai pas la vie de quelqu'un que je respecte, que j'admire, que je... Tu cracherais à la face des dieux. Dès notre rencontre, j'ai ressenti une... proximité. Avoue que toi aussi tu l'as ressenti. Pourquoi agis-tu ainsi? C'est un tourment. Daphnae. Non! Même si ça doit me briser le cœur, je ne défierai pas Artémis. Je me suis vouée à elle. Mais Daphnae! Je ne briserai jamais ce vœu. Pardonne-moi. Mais... Pars! Et ne reviens pas! Et si un jour je te revois, je te tuerai. D'accord. Je l'ai buté déjà, Fritex. Je l'ai tué au troisième essai. Je suis mort une fois parce qu'il m'a chopé, il m'a fait Hulk, comme dirait avec l'Arctique.
Une deuxième fois, il m'a stun, il m'a fait une onde de choc et je l'ai tué au troisième set. Ok. Ok, fille d'Artémis. Arrête, je ne plaisante pas cette fois. Oui, tu as intérêt à rester là-bas. Là, tu commences à m'échauffer. Tu l'as. Garde un œil sur toi. Tu es la chasseresse en chef. Un pas de plus et c'est la mort. Aïe, 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 aïe. La biff et la fille. 49. Oh là 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 là. Non, on va se casser. Tant pis. Ouais, mais tant pis. Je les massacrerai toutes, Phoenix. Sauf Daphne. Tel est mon Indo. Tel est mon Indo, les gars. Je trouve ça nul de... Je refuse de tuer quelqu'un pour la religion. Je trouve ça juste trop con. Ok, ouais, j'ai full stuff Artemis, là, c'est ça? Ah d'accord, ça me passe tout le stuff Artemis 40, là. D'accord. C'est con, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est dommage, hein, j'en ai absolument rien à foutre. Je joue pas du tout chasseur. Ok. Hérétique au bûcher. On va donc aller sur les îles de Mélos. Pour aller défier un connard en bataille navale. On va voir si c'est faisable. C'est clair, ça change. C'est pas une question, c'est une question de principe, Phoenix. Et pour moi, les principes, c'est très important. C'est clair que ça te le met. Ah, d'accord, ça marche. Je ne savais pas. Je l'ai déjà mis, Dragonix. Faut suivre. Je l'ai déjà mis en équipage d'Artenis, justement. Par contre, je ne savais pas pour Schroxor. Merci l'info. On va aller faire tomber un nouveau membre, un nouvel adepte pendant une belle bataille navale à venir. Tuer. Non. Elle était mignonne. Il a avec les deux autres de l'équipage. J'ai deux autres de l'équipage, j'aime pas faire. J'ai même pas fait gaffe. Ok. Tu comptes streamer jusqu'à quel âge? C'est con comme question, je streamerai qu'en tant que j'en ai envie. Enfin, faut bien comprendre un truc, hein. Je stream parce que j'aime ça. Si je voulais gagner beaucoup d'argent, je ne streamerais pas. J'ai la chance de pouvoir gagner pas mal d'argent pour le coup avec le stream. On a pu voir des mois assez incroyables à plus de 5000 balles, mais j'ai jamais eu problème de pouvoir gagner de l'argent dans ma vie. Hein. Ce que j'ai eu des problèmes, c'est de trouver quelque chose où je peux gagner de l'argent en m'amusant, en passant un bon moment. Le stream est parfait pour ça. Allez, Rana ! Chacun ses goûts, Pritex, chacun ses goûts. Vengeance, on va aller ici. On va aller à Skellar voir ce qui se passe. Rejoignez le large. Ça veut pas dire que j'aime pas l'argent ou que je stream pas pour l'argent. Ça veut juste dire que je fais ça parce que j'aime ça. Je vous dis, si demain, quand je serai redevenu rentier, mon stream me rapporte 500 balles par mois, à peine, ça m'empêchera pas de continuer à le faire. Je stream parce que j'aime ça, parce que je m'amuse à le faire, parce que je trouve ça intéressant, parce que ça donne une certaine liberté de création, aussi bien via les vidéos YouTube, via organiser les tournois, organiser des émissions, rencontrer des gens intéressants. Alors pas les Twitch Games, hein, généralement c'est tous des connards, pas tous, mais beaucoup. Mais par contre, des gens du milieu du jeu vidéo, plein de choses. Il y a plein de possibilités en tant que streamer que je pourrais pas forcément avoir en temps normal et je peux bien en profiter. Simplement. Elle chante là, elles sont stylées. Replie la voile. Par exemple. Malaka! Regarde un peu cette tempête. Barrez le navire pour un barrage. Herman et Superbule. C'est les deux que... Et combo. Combo... Alors, il y a aussi les copains Sarkel et Farlina, mais en ce moment, les streamers vraiment, pour le coup, dédiés, c'est Combo Stream qui fait du WoW, pour le coup. C'est son seul défaut. Et quand je regarde, quand je vais voir, c'est quand pas pour WoW. Salut, Kakli, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, c'est gentil à toi. Bon, j'ai déjà une... Ça fait une semaine que je stream. Je suis à plus de 60 heures de jeu. Terrain de jeu d'Arès. Ouh. Oula. Ok, tranquille.
Itty, tu arrêtes. Oui, il est what the fuck. Et voilà, Itty. Après, Itty, il a pas besoin de moi pour le coup, mais j'essaie de soutenir beaucoup Herman et Bulle en ce moment pour les aider à se rapprocher du partenariat. Witcher 3. Je reprends le bateau juste pour les champs. Les champs sont magnifiques, oui, effectivement. Je n'attendais pas ça. Par contre, magnifique certes, mais. On va prendre le bateau. Parce que l'île, pour le coup, il n'y a pas grand chose dessus. Itty, il est un peu perché. Même pas Slim et Nat. Slim, il stream pas. Et Nat, c'est NAT. Et Nat, c'est pas. Mais Nat, c'est subjectif. C'est une bonne streameuse, je le pense sincèrement. Mais. Déjà, je peux pas la regarder parce que elle stream en même temps que moi. Le bon sens, encore une fois, peut-être. J'essaie de parler de moi objectivement. De toute façon, il y a une question sinon très simple à cette réponse. Tous les streamers que, j'ai en auto-host sur la chaîne. Voilà. Allons-y à pleine vitesse. Allez. Aussi simple que ça. Ok. C'est là-bas le truc. Les musiques sont effectivement magnifiques. En avant. Vitesse d'étronnage. Attention, le capitaine quitte là-bas. C'est du only comic, je sais pas ce que c'est là, mais... Ah c'est genre, c'est what the fuck, c'est ça? Ah non, du only Socrate, hein. C'est celui que t'appelles le comic. On verra. Je ne sais pas, et je suis pas pressé de le découvrir, on va voir qui est dans ce truc. On les fera peut-être ou pas, je ne sais pas, je verrai. Il a arrêté, Fritex. C'est un idiot. Je l'aime, mais il arrive. Au moment où ça commence à marcher. Vaste sujet. Ok. Alors. Donc les îles d'obsidienne. Je vais relire un peu l'indice qu'on a sur la dette. Logiquement, faut que. Ça va être une bataille navale hein, pour le battre. Ça me va très bien. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. On finira là-dessus. Hein. On va essayer de faire tomber justement cette adepte-là. S'il a mon niveau, évidemment. C'est lui là, je crois. Pas du tout. C'est lui. Lui, c'est lui. Affaiblir les îles d'obsidienne entraînera Soko dans une bataille navale. Voilà. C'est lui que je veux. C'est lui que je veux faire. Donc voilà, ma dernière cible de la soirée, ça sera ici dans les îles d'obsidienne, chers amis. Oh là là, regardez devant. Oh là 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 là. Ça, je crois qu'on a affaire à un très gros fort devant, chers amis. Mais genre un très 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 gros fort. Quel est ce combat dont tu fais l'annonce ? Attends, ça c'est quoi aussi ? Je m'appelle Drakios. Ravi de faire ta connaissance. Alexios, parle-moi de ce combat. Le combat des 100 mains rassemble des guerriers de tout le monde grec, attirés par la récompense. Mais c'est une épreuve difficile et extrêmement meurtrière, car à la fin, il ne peut en rester qu'un. C'est en tuant que je gagne ma vie. Cette épreuve ne me changera pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Tu as quelque chose d'un héros mythique, en effet. J'espère que les générations. Je me regarderai la tête pour demain. Mes exploits. Si tu prends part au combat, tu auras l'occasion d'affronter les meilleurs. Cette quête m'intrigue, par contre. Comme cette épreuve est appréciée par les gens les plus riches et les plus influents. Après, il faudra peut-être que je fasse. La récompense ne cesse de grandir. Si tu penses aux mêmes personnes que moi, je serai ravi de les rencontrer et de leur dire un mot. En effet. Ce sont des gens dont je ne... Ok, donc là, il parle du cul du cosmos. Ok. Tu sais, tu ressembles à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Quelqu'un... De là, il parle de Deimos. Un air de famille, peut-être. Tu parles de Deimos? Alors ce combat est encouragé par le culte. Je ne peux vraiment pas en parler. Surtout pas aux concurrents. Mais si tu remportes le combat des 100 mains, je te dirai tout ce que je sais. Ok. Je veux participer au combat. Je m'y attendais. L'unique règle est que chaque concurrent doit s'entraîner avec un autre.
et chacun se porte garant de son adversaire. Et tu peux m'indiquer un partenaire d'entraînement digne de moi? Certainement, certainement. L'une mais c'est là qu'on devra aussi la tuer, elle. Roxane. Parce qu'on est en binôme, mais on devra... il n'en reste qu'un, donc on doit quand même aussi tuer au final notre binôme. Sur Idrea, l'île au nord de la Loutre. D'où vient cette tradition de combat déchaîné sur Mélos? Tout a commencé par l'appui financier des gens dont je t'ai parlé. La métaphore veut que chaque combattant affronte un hécatonkir. La créature a 50 têtes et a 100 mains. Exactement. Triompher des autres concurrents revient à tuer cette créature elle-même. Ce qui est un exploit. Cette épreuve n'est pas destinée aux novices. Bon, je pense pas qu'on est novices maintenant. Effet. Que peux-tu me dire sur Roxana? Elle est issue d'une longue lignée de prétendants. Presque tous les membres de sa famille ont tenté de remporter le combat des 100 mains. Des prétendants au titre? Je n'aime pas de quel entraînement tu parles, Fritex, pour te dire. Aussi doué que Roxana, sache-le. Ah, mais là, c'est que je vais faire l'entraînement, là, d'accord. J'ai travaillé comme marchand dans la région. Mais ma chance a tourné. Je devais divers services, et des gens puissants sont venus me le rappeler. En fait, ça a été ma chance. Ce genre de sport est très apprécié sur Mélos. Bon, on va sauter sur la gueule. Les gens en question, ils appartiennent au culte de Cosmos, n'est-ce pas? Les mystérieux. Tu veux les rencontrer? Je sais, mais ça devra attendre. Longtemps? Je reste proche de tous les champions. Si tu remportes le combat, nous en parlerons en buvant à ta victoire. Ça dépend. Est-ce que tu t'es musé sur Origins, autant finir Origins et reprendre à zéro? Ou Odyssey, si tu veux une nouvelle expérience pour un peu de fraîcheur. Les deux sont les très bons jeux. Je suis prêt à concourir. Tu n'as pas terminé ton entraînement. Tu m'as l'air d'être à la hauteur. Si tu me remettais une bourse pleine de drachmes, je pourrais oublier cette condition d'inscription. 4500? Je vais terminer mon... C'est quoi les sorts de l'entraînement là par contre? Faut s'entraîner avec Roxana sur l'île de l'Hydra. Il est possible d'éviter l'entraînement en payant Dracos. Non, j'aimerais bien aller voir l'entraînement pour le coup. On va oublier par contre le défi là-dessus. Tant pis, Harkin, il est trop gros lui. Ok, il est beaucoup trop gros ce fort. C'est pas possible. Impossible, c'est une ville le truc. Sur celui-là, c'est pas, y a trop de monde. C'est. Là, c'est vraiment conséquent, là. Qui est le roi de l'île d'obsidienne? Ok. Il faut que j'affaiblisse les îles, on est bien d'accord. Hein. Attendez. Quête. Quand même, hein. Attends, on va recompter. Attends, deux secondes. Appel aux armes. Ouais, ils ont sauvé de cruauté. Ouais, le sage guerrier. Attendez. Non, c'est leur membre du culte. C'est ça. C'est celui-là. Alors... Affaiblir les îles obsidiennes, entraînera Soko dans une bataille navale. Ok, donc faut juste que je défonce des gens. On sait pas forcément si c'est le... Déjà la nuit. Par contre ça, c'est l'occasion idéale. Quand même, Izzy. Attends, on a combien de mecs là? 3, 4, 5, 6. C'est quoi ça là-bas? Allez, Nugget. Putain. Y'a des trucs de partout, putain. Ok. Donc, on reprend le compte. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pas tellement ça va, reste tranquille quand même. Hein. On est parti. Quand même. Ok. Bah.
Le feu, ouais. Le feu, effectivement, il a pas l'air d'être trop dur. Attends, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, là. Il y a un autre qui monte là-bas. S'il vient vers moi, ça va être casse-couille. J'ai pas du tout d'adrénaline. Quel enfer. Il vient vers moi. Putain d'emmerdeur. Ouais, c'est prévu. Il vient vers moi. On va plutôt aller faire le mec en bas là-bas. Ah, attends. Ouh, il y a un truc à faire là. Ah, putain! On a les 19, hein, 18. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas tout cela? Pourquoi ils se displacent? Je suis pas déjà repéré, j'en ai buté un, hein, pourquoi vous déplacez déjà tous ensemble? Quel enfer. Pourquoi ils sont déjà tous en train de baiser avec leurs dirigeants là, bordel? Ah, c'est bien ça. Ça a manqué de monde.